Eh bien salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour RedonJuros et aujourd'hui nous allons parler une nouvelle fois de Targoïdes et plus précisément de leurs victimes, c'est-à-dire nous les êtres humains. Dans cette vidéo nous allons voir trois sites récents d'altercation entre les humains et les Targoïdes Et enfin à la fin de cette vidéo nous découvrirons un vestige de la dernière guerre contre ces, euh, ces créatures. Donc, on va commencer par un signal de détresse qui se situe dans le système Pleiad Sector IR-WD155. Donc, autour de la dernière planète qui est une planète ammoniaque. Oui, oui, donc, comme par hasard. C'est là aussi que certains avaient trouvé des Unknoplobes. Et euh, donc, euh, c'est un vaisseau Capital Ship fédéral qui s'est fait éclater. Donc, euh, on va voir ça ensemble. Ensuite, on ira voir euh, juste à côté euh, un méga ship S'est fait également attaquer il n'y a pas longtemps. Nous terminerons par un vaisseau impérial et enfin la petite euh, surprise, on va dire le petit carré de chocolat euh, avec le café à la fin de la vidéo. Ils ont pris Bagdad. Bon, c'est pas la première fois. Les, les fédéraux doivent être habitués. Alors, on a quoi dans le secteur Correspondance scripté. à balise de données privées. Je scanne. Ça va sûrement être un signal de targoid ou un truc comme ça. Je commence à avoir pas mal de ces trucs. Signature vaisseau targoid, c'est ça. Et là faut que je regarde ce que j'ai, parce que je commence à avoir un sacré paquet ces trucs là. Signature vaisseau targoid, j'en ai 30. Je vais faire le ménage. Parce que ça fait un peu beaucoup là. Donc on va passer en vue extérieure alors, il faut savoir que les bon, que maintenant certains ont commencé à les détruire. Euh, personnellement, je ne vais pas m'attaquer à un targoïde pour le moment. Alors, je fais partie des Blackbirds, euh, ce qui fait que notre mission la première, c'est de protéger l'humanité contre la menace Targouide. Donc si le Concilium me dit on va péter du Targo, je vais péter du Targo sans problème. En plus ça correspond à peu près à ce que je pense. Mais pour le moment, je vais pas les attaquer. Euh, Frontier avait dit que les actions que nous ferons auront un impact sur la suite. Et est-ce que c'est une bonne idée d'attaquer les targoïdes tout de suite Je suis pas si sûr. Surtout que moi je préfère attendre un peu plus qu'on développe plus d'armes contre eux pour pouvoir me lancer dedans. Après, c'est tout à fait faisable, je sais exactement comment détruire un targoïde. Hein. C'est pas un problème. J'ai vu les vidéos, j'ai lu des euh, descriptions, etc. Je sais quoi faire. Donc euh, s'il si faut le faire, je vais le faire. Je peux modifier ma corvette pour qu'elle puisse euh, encaisser le choc. Il n'y a pas de problème. Il existe deux types de Targoïdes. Un facile à, à péter. Et le deuxième, en fait, euh, lui, il est un peu plus vénère. Hein, parce que lui, en fait, il a des armes plus puissantes. Et dès qu'on détruit un cœur, ce qu'il faut détruire quatre cœurs pour tuer un Targoïde, c'est des cœurs, en fait, on voit ça comme une, une technologie euh, biomécanique. On va dire ça comme ça, voilà. Donc, il faut détruire quatre cœurs. Et quand on atteint le deuxième cœur, il devient vraiment vénère. Et il a des armes de fou, comme ce que je vais vous énoncer là, un missile caustique. Et ce missile caustique, qu'est-ce qu'il fait Une fois qu'il vous touche, eh bien, il vous ronge la coque en permanence. Tant que vous n'allez pas réparer une station, il continue de vous grignoter lentement. Donc, moi, je pense que ces missiles caustiques, c'est ni plus ni moins qu'un gros tas de bactéries qui bouffent tout ce qu'ils trouvent. Et c'est ce qu'il est en train de faire, là, je pense. Là, en fait, ça grignote la coque. Et ça fait une réaction exothermique. pour ça qu'il y a des flammes. Je vois ça comme ça, par exemple. Si on essaie de trouver une justification, bazar. Ben Imaginez, c'est juste deux interdicteurs Tigerhead qui ont pu faire ça. Enfin, théoriquement, parce qu'on a compris. En même temps, leur missile caustique, c'est infect. Parce qu'une fois que vous êtes touché par ce missile, ça vous grignote permanent. Donc, ça finit par traverser la coque, grignoter les câbles qui sont à l'intérieur. Les systèmes essentiels du vaisseau commencent à tomber en rade. Et vous êtes vite dans la mouise. Si en plus il vous balance une IMP, ce qui peut faire tranquille, il hein, n'y a pas de problème. Euh, vous êtes complètement à poil et il peut vous arracher la tête. Tranquille. Et ils sont durs à, à buter, hein, parce que je vous dis, il faut détruire 4 coeurs. Et le principe, c'est le suivant. Vous envoyez les missiles expérimentaux, ça brise la coque. Enfin, ça sort de carapace. Ensuite, le cœur est à nu, vous attaquez le cœur avec vos armes conventionnelles. Une fois que le cœur est détruit, un bouclier apparaît. Le même qu'on avait vu quand il fait le plein sur la barnacle. Donc ce bouclier apparaît. Il faut briser ce bouclier. Ensuite, missile sur le deuxième cœur. Pour l'exposer, le péter avec le même procédé. Encore et encore. Et à la fin, le dernier shield il est plus gros. Il faut le péter. Et une fois que vous l'avez pété, il faut encore détruire la coque de la bestiole pour l'achever. Donc vous voyez que c'est assez compliqué à, à tuer. Alors, si le targo est pas trop agressif, ça va, c'est plutôt gérable. Mais si vous vous tombez sur le modèle qui a tendance à être ultra vénère et vous attaquez direct dès que vous commencez à le titiller un peu, euh, vous êtes dans la mouise. Parce que ce modèle-là, il est beaucoup plus puissant. Il attaque plus fortement, il change de pattern d'attaque, il a le missile caustique, il a un gros laser qui fait bien mal. Euh, c'est pas du tout le, le même le même délire, quoi. Enfin bref, mon sourceuse, je vais faire une petite coupure et on se retrouve juste après pour le méga chip. Donc, oui, heureux, donc on est presque arrivé, plus que quelques secondes. Voilà. Alors, Emergency Aid Unit, Emergency Medical Unit. Donc, il y a Medicorp qui est dans le coin. Il <laughs> n'y a pas de balise à scanner ou des trucs comme ça. Conteneur, 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 matériaux. récupérer, résistance. Là, c'est l'évacuation occupée. Donc, ça, je laisse la... les deux gars ici et les récupérer. Peut-être que je me rapproche pour que ça apparaisse sur le radar. des fois, qu'il y a une liaison montante à scanner ou un truc du genre. Alors, je vais quand même passer en vue qu'on voit un peu mieux ce qui s'est passé avant de faire le tour. Oh la vache, il a pris Bagdad. Alors c'est un vaisseau tanker. Ah hein. oh, c'est chiant, oui ça c'est la structure. Faut que je reste plus haut. entendu un bruit donc ça c'est un matériau. Ouais, on va faire un plan de travers comme ça, comme ça au moins je me rapproche du vaisseau. Et ouais, là c'est le même principe, c'est les dégâts caustiques. Il a dû se prendre un missile caustique dans la tronche. Et maintenant ça le ronge petit bout par petit bout, jusqu'à le désintégrer. Ça s'arrêtera pas tant qu'on n'enlève pas justement l'effet de corrosion. Mais quand ça atteint un certain seuil, comme là, ben, je pense que le vaisseau s'est foutu quoi. On le laisse se faire grignoter par ce truc vert. Faut voir ça un petit peu comme certaines bactéries, vous savez, qui mangent la chair. Il y a des gens quand ils sont affectés par ça, vous avez beau vous soigner, ben... Il y a des fois, c'est foutu quoi. Avec le gros nuage vert. Fiou! Il, il a quand même pris cher. Hein. C'est les containers. Il faut quand même que je regarde les sites, des fois que. Hein, parce que. On sait jamais. Mais il semblerait qu'il n'y a rien, à part juste des, des trucs qui se baladent. Je me disais qu'elle allait avoir une balise pour expliquer ce qui lui est arrivé. Quoi. Le réacteur, on voit qu'il est dans un sale état. Vous voyez à droite J'ai baissé un peu pour pouvoir faire des plans comme ça. Donc là on est dessous, on n'a pas l'éclairage donc c'est un peu chier. Il a pris quand même très cher. Comment ça, aucune donnée, aucune donnée, c'est ça que je crois. Ça sert à rien, mais suis au cas où, des fois que. Genre, ça va peut être faire pop un targo, <laughs> ça peut être drôle. il n'y a, a pas d'antenne. Je m'attendais vraiment à qu'il y ait une antenne à scanner pour savoir ce qui se passe, quoi. Je me balade autour des fois que hein, pour être sûr que je rate rien. Non. On voit juste un vaisseau en fait qui s'est fait attaquer encore une fois quoi voilà. Ok. Ouais au moins ils sont venus sauver les gens, c'est déjà ça. Des fois que ce soit près du poste de pilotage. Toi, moi, je vois, je vois rien dans la liste qui me dise que je peux scanner quelque chose. Ah, ouais, le poste de pilotage, par contre, il a pris vraiment cher pour voir les gerbes de flammes qu'il y a eu. Ouais, il a pris cher. Surtout, moi j'imagine les pilotes là-dedans. Là. Euh, c'est un réseau de transport. On dirait une antenne, ça. Vous voyez là Non, c'est des missiles. La étoile de défense, mais bon, voilà, c'est moyen quoi. Bon, on a vu ce qu'il y avait à voir ici. Je vais une dernière fois. Bon, donc on va se diriger vers le système qui est juste à côté. Donc HR, voilà, juste ici. Voilà où je suis passé. Donc hop. Allez, ah, comme d'hab, je vous épargne le trajet et on se retrouve directement sur site. Ça y est, donc on est presque arrivé. Encore quelques secondes. Et voilà. Un majestic interdictor. Alors là il n'y a pas vraiment de nuage vert. Corps signature de vaisseau targoid, ça y va. Ouais non les dégâts font aucun doute, hein. c'est du missile caustique ça. Ils ont pris la même chose que le Faragut On la voit la petite pomme verte. Ça fait un petit peu que ça, le temps que ça charge. Je sais pas trop pourquoi d'ailleurs parce que ma carte graphique elle, elle est même pas à 70% de charge. Alors vous vous voyez pas mais je suis à 144 images/seconde hein, donc c'est normal que, que ça, ça soit déjà à 70% de la puissance. Hein. Ah ouais, c'est ça c'est le truc. Ils ont pris Bagdad n'empêche. Y'a combien de cutters et de clippers là Ce boxon. Ah, la regarde a pris cher. Je pense que c'est eux qui ont dû être touchés en premier. Parce que c'est eux qui crament le plus, on va dire. Même si cramer dans l'espace, c'est un peu limite impossible. Sauf faire une réaction exothermique de chaleur euh, chimique. À la rigueur, ça pourrait être faisable. Mais il faudrait des températures de fou. Rendez-moi oh, ce plan. Oh putain, l'œuvre des targoïdes Ils sont toujours aussi gentils. <laughs> oui, je sais, j'abuse. <laughs> oui, après ils ont, ils ont peut-être fait que se défendre, je veux bien le croire, mais bon. Quand tu te défends, tu mets 2-3 bastos bien placés. Euh, lui comprend tout de suite que c'est foutu et il se barre. Hein. Que entre les jambes. Hein. Parce que euh, l'être humain, il a beau être euh, véhément, etc. C'est sa survie qui passe en premier, comme au bout d un moment, hein. Même si l'ingénieur qui lui dit attaquer, 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 les mecs ils vont dire non, mais t'as vu là, on prend cher là. C'est assez impressionnant quand même comme cimetière. Donc on a eu la version fédérale, la version impériale, la version méga-chip. Et maintenant, on va aller voir une petite surprise pour finir cette vidéo en beauté. Donc on est quand même déjà 22 minutes, donc je vais me brouiller. Je vais vous montrer au moins où est-ce que c'est. Hop, je récupère le nom du système. Hop. Donc ça se situe à HIP 17125. Et c'est un cadeau de la précédente guerre. Targoïde. Donc ça peut être A3A. Donc A3A, c'est ici. Les coordonnées sont moins 65,8, 48,8. On se retrouve sur place. Oui donc ça y est donc on est arrivé sur le site en question enfin je suis arrivé depuis quelques temps maintenant parce qu'il y a eu un petit bug je vais vous expliquer ça juste après et donc on est face à ce petit vaisseau écrasé donc en orbite autour d'une géante d'ammoniaque, comme par hasard et il faut savoir que dans ce système il y a également un autre vaisseau que l'on connaît très bien ce qu'on l'a déjà vu ensemble il s'agit du Vessel Victoria Song vous savez que l'histoire du relais PS je je sais plus combien etc donc euh, voilà, c'était la vidéo qui, hein, qui parlait de ça. Et donc, ici, là, de Clash Site, il y a un petit vaisseau. Bon, pas grave, ça. on ça après. On va déployer, on va y voir le SRV. Il y a un petit vaisseau écrasé. Et en fait, ce vaisseau, il faut savoir que c'est un éclaireur targoïde. Et ça ressemble furieusement au drone que lâchaient les, les Targons quand ils vous interceptaient en hyperdrive. Et vous interceptez entre deux systèmes. Vous larguez là. Et vous aviez ces machins qui sortaient justement du targon pour vous attaquer. Donc nous maintenant on a une sorte de torpille euh, biologique. Mais avant c'était ça. il y en a un là. Un éclaireur targoïde. Et moi je vous ai dit. Les, les bases planétaires. Vous savez euh, targoïde là. Où on a la carte galactique. Qu'on active avec les trois éléments targon. Ça me fait furieusement penser en fait. Aux anciens vaisseaux targoïdes alors. Et ces machins là pourraient largement s'agripper sur le gros vaisseau, parce que vous voyez, ils sont beaucoup plus gros que les drones actuels. Donc je me dis, si ça, ça peut alimenter sur l'autre. Si ça se trouve, les structures qu'on a trouvées sur les planètes, c'est rien de plus que les anciens vaisseaux qui nous interceptaient dans l'ancien élite. Et le virus mycoïde les a mis tellement mal qu'ils se sont retrouvés sur les planètes et puis ils décrépitent. Peut-être ça hein C'est une théorie. Donc, quand on scanne le vaisseau, on obtient... Ce fichier, donc d'analyse du vaisseau Qu'on va voir ensemble, mais par contre pour le scanner C'est très compliqué, c'est pour ça que je l'ai fait avant On l'a pas encore Parce qu'en fait je vais vous montrer comment Il faut faire pour le choper, vite fait Parce que j'ai mis 45 minutes à le, à le réussir Donc on choisit l'éclaireur targoïdes. Ensuite on se décale à peu près par là Voilà par là Vous voyez donc toutes les traces de roue là c'est moi depuis tout à l'heure Donc c'est à peu près par ici On verrouille les pneus et on fait ça voilà, il est là. Là, et puis il faut le maintenir comme ça. Et en fait, il faut maintenir le SRV dans cette position pendant que vous scannez. Voilà, j'ai mis 45 minutes. Donc je l'ai fait pour vous, voilà. Donc euh, bon, <laughs> je me suis fait J'espère qu'ils vont se patch ce truc parce que c'est une honte à un bug pareil. Donc il y a ça, donc on va le regarder ensemble après. Et ici, en fait, il y a des trucs à récupérer. Donc j'en ai déjà récupéré quelques-uns dans le vaisseau. Donc vous avez. Hop. Donc, vous avez de la résine targoïde, des échantillons de technologie targoïde, et euh, vous avez de la matière biologique targoïde. Donc, j'en ai récupéré un exemplaire de chaque. Et ça sert pour la recherche pour les armes anti-targo. Voilà, au passage. Donc, je vous montrer à quoi ressemble l'éclaireur targo. On va passer en vue extérieure. Voilà. Donc, ça, c'est l'éclaireur targo. Donc normalement, ce sont censés être des drones. Hein. Il est pas censé y avoir de pilote à bord. C'est comme les petites torpilles, vous savez, qui tournent autour des torpilles actuelles. C'est le même principe. C'est une sorte de drone, voilà. On le voit, lui, il est malade. Hein. C'est dégueu. Hop. On dirait des sortes de pustules, ou je sais pas trop quoi. Donc ça, c'est le virus microïde qui aurait fait ce délire. Parce que oui, donc j'ai lu le truc. Donc ici, vous voyez, analyse de matériaux terminée. Importante concentration de particules mycoïdes détectées. Donc le virus mycoïde que les humains ont utilisé contre les targoïdes. Il y a, les... il y a un petit moment maintenant. Constitution en base de données connue pour identification. Résultat confirmé. Type de vaisseau scout targoïde. Voilà. Donc c'est un vaisseau connu, un très vieux vaisseau targo. Voilà, donc c'est un petit clin d'œil à l'ancien élite. Alors, est-ce que ça servira Parce que, imaginez, si ce machin c'est bien le truc que je pense qui s'accrochait au vaisseau Targo qui vous interceptait, ça veut dire que les bases planétaires Targo qu'on a vu c'est bien un vaisseau. Et à imaginer si un jour ce vaisseau il décolle et qu'il lâche des trucs comme ça contre nous. On n'est pas bien, mais pas bien du tout. Ça pue quoi. Donc, je vais vous le montrer. Voilà, donc c'était ça qui nous interdisait avant crée délire, quand même. Donc, voilà. Donc, ça va être la fin de cette vidéo hein, de tourisme Targoïde. Voilà. Donc, tout ce qu'ils détruisent, plus ce que nous, on l'aura détruit. Voilà. Donc, j'espère, en tout cas, que cette petite vidéo hop, vous aura plu. Voilà. Donc, j'ai quand même bien galéré pour récupérer euh, ce dossier. Mais bon, au moins, je l'ai. Et ce sont ces belles images que je vais vous laisser là. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée ou soirée. Et je vous dis à la prochaine pour les dangerous. Allez, portez-vous bien.